Mesdames et messieurs, il me fait grand plaisir d'inviter Madame Nana Mouskouri pour prononcer quelques mots. I hope we can make it. Chancellor Steinberg, Madame Principal Monroe Bloom, distinguished guests, graduates, dear friends. It is a great honor and really a great privilege to be part of the celebration today. A day where the youth opens their wings of hope for its future, and even more so, the future of the world. I come from the generation grown up through the horror and the fear of the war, the humiliation and the shame brought by the occupation, the missing of the freedom of justice, the disrespect of the humankind. Those who escaped and survived had only two roads to follow. And from these two roads, they had to choose in order to go a little bit further and to forget their suffering. The first road was to continue living in the aggressiveness that they lived for so many years. The other road was to search for peace, love, humanity, understanding, and of course, justice and dignity. I have chosen the second one. Music became my friend, my companion, and the words of a song were the essential to express my emotions, my fears, and also my hopes, my dreams. I have learned to respect that nothing in life was granted, and that work makes the love of life visible. The importance is not in what you do, but why you do it and how you do it. I have also learned how important it is to listen, to trust, and to learn. Also, in order to be able to give, because I needed to give, I had really to learn to receive, and it's the most important before you start giving. Il y a presque un demi-siècle que je découvrais votre magnifique pays, qui est devenu petit à petit aussi mon pays. J'amenais avec moi quelques chansons de ma culture grecque, de mes amis poètes, musiciens, et ma sincérité. J'ai cherché l'amour. Je voulais apprendre, partager, pour pouvoir avancer dans la vie. J'étais influencée, inspirée par les artistes canadiens et j'ai enrichi mes racines par votre culture, ses valeurs traditionnelles et humanitaires. Grâce à mon ami producteur Sam Gesser, j'ai fait de nombreuses tournées à travers le Québec et au début et tout le Canada par la suite, du plus petit village aux plus grandes villes. Et j'ai rencontré un public merveilleux, unique, qui m'a adopté et qui m'a fait comprendre que l'amour existe. Je voudrais partager ce prix avec mon pays et le Canada. Je voudrais vous dire un grand merci pour tout, à tous mes amis, ma famille, mon mari, et tous ceux qui m'entourent à faire mon métier et de devoir de la chanteuse que je suis devant vous aujourd'hui. Ça a été pour moi une grande surprise. Mais aujourd'hui, Madame Principal Monroe Bloom et à tous, je voulais vous dire que finalement, avec cette invitation, vous m'avez fait comprendre que finalement, ce choix que j'avais fait sur mon chemin, c'était le bon. Alors, j'ai
prouver comme ça, de cette manière, aujourd'hui, d'être ici avec vous, que l'amour existe. Ça suffit de pouvoir le reconnaître et échanger toutes ces valeurs qu'on a apprises depuis qu'on est petit et qu'on a besoin absolument pour continuer à vivre. Et c'est à vous d'essayer de faire un monde meilleur. Merci infiniment.